On va recevoir dans un instant Christine Fréchette, elle est ministre de l'Immigration. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec a annoncé hier que le gouvernement va suspendre l'émission de permis pour les travailleurs étrangers pour une période de 6 mois dans la grande région de Montréal. Madame Fréchette était là, évidemment, à la conférence de presse. Et le premier ministre Legault, c'est une mesure qui est critiquée de toutes parts. D'abord, le Parti québécois qui parle de mesurette et les groupes qui représentent les entreprises, le patronat, tout le monde a pulvérisé cette annonce. Madame Fréchette, bonjour. Oui, bonjour. Donc, d'abord, là, on va s'entendre sur les chiffres, si vous permettez. Il y a combien d'immigrants sur le territoire québécois d'immigrants temporaires? Oh, combien en ce moment d'immigrants temporaires? En fait, avec le PTET, là, en lien avec le programme dont on a parlé hier, c'est autour de 60 000. OK. Et la mesure que vous avez annoncée hier, ça retire combien d'immigrants temporaires, des travailleurs temporaires, du territoire montréalais pendant 6 mois? Mm-hmm. Ben, en fait, sur le territoire montréalais, on parle d'à peu près 12 000 de personnes, là, si on exclut le secteur agricole. Là, je pense que c'est important de l'exclure. Et nous, notre mesure d'hier, ça vient affecter presque le tiers de ces personnes-là. Les gens qui sont actuellement avec un permis de travail valide là, du programme dont il est question. Donc, 3 500 à 4 000 personnes? Oui, autour de 3 500, là. OK. Êtes-vous d'accord que c'est une goutte d'eau dans un gros, gros, gros verre d'eau? Écoutez, si on regarde ça par rapport au nombre de résidents non permanents, là, ça c'est 600 000 personnes, c'est sûr que ça peut apparaître peu. Mais quand on dit le tiers des personnes qui ont un permis de travail de ce programme-là sur l'île de Montréal, c'est quand même important. C'est un premier tour de vis, faut voir, ça va pas s'arrêter là. C'est un des programmes sur lesquels on a un contrôle direct. Nos programmes qui sont sous notre aile ne sont pas aussi volumineux que les autres programmes, par exemple, qui relèvent du fédéral. Et quand on parle du programme qui relève complètement du fédéral, on est ailleurs là au niveau des chiffres. Également pour les demandeurs d'asile, on en compte 189 000 sur le territoire québécois. Alors, c'est sûr que ce qu'on peut faire à notre échelle ne peut pas avoir le même impact. Mais par ailleurs aussi, notre programme dont on a parlé hier, ça a un impact direct sur les postes névralgiques dans l'économie québécoise. Alors, on ne veut pas réduire d'autant ces postes-là que, par exemple, la réduction des demandeurs d'asile que l'on demande qu'ils soient à hauteur de 50%, parce que leur impact à eux sur l'économie n'est pas aussi direct non plus pour la vitalité des régions. Donc, voilà, on veut faire en sorte que ce soit plus important en termes de coupure quand il s'agit des programmes fédéraux pour ces raisons-là, notamment. OK. Il y a à la une du Globe and Mail aujourd'hui, disons que le traitement de la nouvelle est très, très différent. Chez vous, du côté du gouvernement, vous dites « on a décidé de réduire ça, le nombre de travailleurs temporaires ». À la une du Globe, on dit que Ottawa a donné son feu vert. Est-ce que vous avez eu besoin de la permission d'Ottawa pour la mesure annoncée hier? Alors, c'est nous qui avons préparé le plan, c'est nous qui l'avons soumis au fédéral. On l'a fait il y a plusieurs semaines et lundi, on a reçu l'information à l'effet que le fédéral allait donner suite à notre plan, allait donner suite à nos mesures. Ça prend, dans ce cas-ci, là, pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, ça prend l'aval de EDSC, c'est Emploi Développement Social Canada. Donc, ce programme-là, il est co-géré, mais c'est le Québec, dans le fond, qui en définit les orientations. Mais si Ottawa avait dit non, il n'y aurait pas eu de conférence de presse pour cette annonce hier? Ben, il y aurait eu... je pense qu'on aurait fait notre conférence de presse pareil. Maintenant, pour il y aurait dire quoi? Une pression très forte. Ben, pour dire qu'on demande au fédéral d'aller de l'avant avec ça. Puis la pression aurait été mise à fond la caisse là, sur le fédéral pour faire en sorte qu'il donne suite. Parce que c'est nos volontés qui sont reflétées par le plan qui a été présenté hier. OK, mais on s'entend là, que ce qui a été annoncé hier, ça va pas avoir un impact sur le logement, ça va pas avoir un impact sur les soins de santé, d'éducation. On est dans le symbole complètement. Ben, sur le logement, je permettais que je sois pas du même avis, là, parce que quand on parle de réduire de 3 500 personnes d'ici décembre là, l'année prochaine, ça va quand même créer un impact peut-être pas majeur, mais un impact sur le logement. Pour 6 mois. Ben en fait, oui, mais ceux qui ne seront pas renouvelés pour les 6 prochains mois, peut-être aussi qui vont renoncer à revenir ou encore ils vont aller s'établir en région. Donc, il y a différents cas de figure là, qui peuvent survenir. Par ailleurs, c'est sûr,
l'ensemble des services publics qu'il faut agir. Et puis, c'est sûr que la décision d'hier, ça vient amener un impact. C'est pas le seul qu'on va exercer. Puis, le fédéral aussi va avoir son apport là-dedans. Nous, on va vous revenir, par ailleurs, pour les étudiants étrangers dans quelques semaines. Et puis, il y a d'autres tours de piste qu'on va faire. On va regarder de quelle manière ça évolue dans un premier temps avec l'annonce d'hier. OK, mais le premier ministre a parlé hier de 300 000 immigrants temporaires en 2021. Ça a doublé aujourd'hui à 600 000. Sur ces 600 000, là, Québec contrôle l'entrée de combien d'immigrants temporaires? C'est quoi notre levier au Québec pour agir là-dessus sans Ottawa? C'est ça. Contrôle direct, là, c'est à peu près 33 %, là. Donc, ça réunit à la fois des étudiants étrangers et les gens du programme des travailleurs étrangers temporaires pour lesquels on a fait l'annonce hier. Donc, c'est à peu près le tiers. C'est pour ça qu'on met toute la gomme sur le fédéral pour qu'eux, ils agissent de manière costaude, urgente, pour réduire le nombre de demandeurs d'asile qui créent, eux, un impact aussi important là, sur les services publics et même chose pour les gens qui sont du programme de travailleurs, mais pas que ça, qui relèvent directement du contrôle du fédéral. Là, le PMI, qu'on appelle le programme Mobilité internationale, ça c'est un programme qui est un peu un regroupement de plusieurs types de profils. Là. Madame Fréchette, ça, c'est ce qui circule, là, que l'annonce d'hier, c'est pour mettre de la pression sur Ottawa, mais là, moi qui n'ai pas un expert, les gens qui nous écoutent ne sont pas des experts des grandes tractations provinciales, fédérales. Là. Ce que vous avez annoncé hier sur la restriction pendant 6 mois des travailleurs étrangers temporaires à Montréal, en quoi ça fait, disons, peur à Ottawa? Ben, l'idée, c'est pas nécessairement de faire peur, c'est de montrer qu'on est allé de l'avant avec un plan. Eux, d'ailleurs. OK, en quoi ça va les faire bouger? Ben, ça va les faire bouger parce que là, maintenant, eux doivent aussi présenter leur plan. On attend d'une part le plan pour les demandeurs d'asile. Ça, c'est prévu pour la rentrée. Parce que là, on a eu des rencontres ces dernières semaines sur le modèle qu'on veut implanter pour répartir les demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada. On a besoin aussi du plan du fédéral pour le programme qui relève que d'eux, qui est très volumineux. Donc, on veut qu'ils réduisent de 50% chacun de ces deux programmes-là. Alors là, la balle est dans leur camp. Nous, on a fait notre annonce hier. Donc, c'est au fédéral maintenant à déposer son propre plan. Écoutez, les souverainistes disent qu'on serait mieux de contrôler nous-mêmes les leviers de l'immigration. Il me semble que tout ça est compliqué. Qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une pression très forte au Québec, différente du reste du pays. De la misère à leur donner tort aux souverainistes là-dessus. Ah ben ça, si c'est pour convenir que l'immigration, c'est compliqué, c'est sûr que c'est compliqué. Parce que vous avez besoin de la permission d'Ottawa pour régler la situation, ou au moins commencer à régler la situation. Dans le cas de ce qu'on a annoncé hier, il faut qu'il y ait une mise en œuvre de notre plan par Ottawa. C'est eux qui émettent les permis de travail, mais ça reste que c'est nous qui donnons le ton, c'est nous qui donnons les orientations. Puis nous, ce qu'on veut, c'est de rapatrier l'ensemble des pouvoirs en matière d'immigration, justement pour simplifier la donne, parce que c'est très compliqué, ça crée des allers-retours nombreux, des délais, une complexité à comprendre aussi pour les utilisateurs de ce système-là. Fait que c'est pour ça qu'on veut transférer les pouvoirs au Québec, c'est pour faire en sorte que ce domaine-là, il soit complètement géré par le gouvernement du Québec. On a déjà un certain nombre de pouvoirs, mais on veut l'ensemble des pouvoirs pour faire en sorte que ce soit notre vision qui soit pleinement traduite par nos actions. Et quand on revient sur l'idée que c'est une mesure somme toute très légère, ben quand même, il faut voir que pour les personnes qui sont directement touchées par l'annonce d'hier, pour les entrepreneurs puis les travailleurs, ben ça a un impact réel quand même, là, ce qu'on a annoncé hier. Ça va faire une différence. Je commence déjà à entendre parler d'entreprises, d'organisations qui vont être affectées puis qui vont voir à réorienter leur stratégie, leur façon de faire du fait de l'annonce d'hier. Certains parlent de rehausser les salaires, par exemple, parce que nous, on va faire en sorte que seules les personnes qui ont un faible salaire, en fait, un salaire en bas du salaire médian, là, de 27 et 47 $ vont être touchés. Donc, il y en a qui se disent, ben, peut-être que je devrais rehausser le salaire de mon employé pour éviter qu'il soit soumis à cette suspension-là. D'autres vont plus regarder du côté d'aller travailler en dehors de Montréal. Donc, il y a différentes actions qui vont être prises. Mais pour ces gens-là, ça a un impact très important, là. OK. Je veux vous entendre sur un autre aspect. Une information qui est sortie hier au point de presse, c'est M. Legault qui l'a dit, là. Le gouvernement va faire un projet de loi pour limiter le nombre d'étudiants étrangers qui viennent au Québec. Le premier ministre a parlé d'abus d'établissements privés. Il n'a pas élaboré sur la nature de ces abus. Donnez-moi un exemple d'abus.
Écoutez, je veux pas pointer un exemple en particulier. Mais je veux pas savoir quel collège ou quel établissement, mais c'est quoi un abus qui a mené à, disons, à une explosion du nombre d'étudiants temporaires immigrants au Québec? Ben, c'est des organisations, des établissements qui, par exemple, ont eu une croissance phénoménale de leur recrutement d'étudiants à l'international. Il y en a pour qui ça peut devenir trop important, là, ce type de recrutement-là. On veut encadrer ça parce que là aussi, les volumes ont cru de manière très importante. Ça a été le cas chez les travailleurs, c'est le cas chez les étudiants étrangers aussi. On veut faire en sorte d'avoir des nouveaux leviers pour encadrer la hausse ou les volumes, en fait, d'étudiants étrangers qu'il y a dans l'ensemble des niveaux académiques. Et ces leviers-là, on les possède pas à l'heure actuelle. Donc, avec le projet de loi qu'on va présenter cet automne, on va se doter de nouveaux leviers et puis on va pouvoir intervenir soit par établissement, soit par programme, soit par région. Mais est-ce que ça touche des collèges privés qui ont des formations bonbons spécifiques ou ça touche des cégeps établis, des cégeps publics et des universités comme, par exemple, Concordia et McGill? L'analyse va se faire pour l'ensemble des établissements publics, privés, en région. Vous devez avoir une idée si vous avez un projet de loi dans les cartons, Mme Fréchette. Il n'est pas encore dans les cartons. Il est en discussion, il est en réflexion, donc en analyse. On n'est pas avec un texte déjà entre les mains. On n'est pas là. Donc, c'est pour ça qu'on va vous revenir prochainement. Mais vous devez avoir une idée. C'est-tu les collèges privés ou c'est les cégeps et les collèges privés professionnels ou les cégeps et les universités? Vous devez avoir une petite idée de qui abuse, là. L'analyse va se faire pour les deux types, tant le privé que le public, tant pour la formation professionnelle que le collégial que l'universitaire. Donc, c'est pas ce matin que je vais vous livrer les orientations de notre projet de loi. Comme je dis, en analyse, en réflexion, on va revenir dans quelques semaines. Mais ce qu'on sait, c'est que pour l'ensemble des niveaux d'éducation, il y a eu une hausse considérable du nombre d'étudiants étrangers. Et là, on veut se doter de nouveaux leviers pour faire en sorte d'avoir une limitation, un encadrement de ce phénomène-là. Madame Fréchette, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Bonne journée. À la prochaine. Christine Fréchette, qui est ministre de l'Immigration.